s'il vous plaît, ne faites pas de bruit et restez calmement assis. Les bunnies seront bientôt là pour faire une annonce. Et à mon avis, ce n'est pas intéressant. Les filles, pourquoi? Il s'est passé quelque chose, hein? Écoutez, Yana et Delia, fermez-la. Aujourd'hui, les bunnies vont nous dire quelque chose d'important et de très très positif. Avec tous les problèmes qu'elles ont créés ces derniers temps, je doute qu'on puisse s'attendre à quelque chose de positif. Les gars, bonjour à tous. Bonjour, professeur Mike. Laissez passer, c'est très lourd. Les gars, bonjour à tous. Ces boîtes sont très lourdes. Quelqu'un pourrait m'aider? Merci, Timur. On sait que vous ne nous aimez pas beaucoup ces derniers temps. C'est pourquoi aujourd'hui, on a envie de vous gâter. Nous avons une bonne nouvelle pour vous. Et après ça, c'est sûr, vous allez de nouveau nous adorer. Les filles, c'est pas la peine. Nous, on vous aime. Qui d'autre aime les bunnies? Les bunnies, eh bien, dites-nous cette nouvelle qui va faire que nous allons vous aimer. Merde, Blondie, tu y crois? Mais bien sûr que non. Voilà, les gars, on a décidé qu'il était temps de prendre des vacances pour le nouvel an. Non! Pourquoi les bunnies devraient nous imposer leur choix? On peut encore y réfléchir. Les vacances ne seront que dans une semaine. Leur idée est cool, les gars! Les gars, cool! Cool! C'est cool. Cool! Les gars, tous ensemble, on va passer des fêtes de fin d'année vraiment cool! On a même élaboré un programme. Et c'est quoi ce programme? C'est quoi ces fêtes de fin d'année? Les filles, c'était pas prévu. Alors, est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Est-ce que je peux aller skier dans les montagnes? Comment ça skier, Mike? Pour les vacances du nouvel an, on va changer les règles. La maison rose ne sera plus réservée qu'aux filles et les garçons pourront y venir. C'est super cool, n'est-ce pas? Stop! Arrêtez d'applaudir. Les bunnies, vous savez pertinemment que la maison rose est strictement réservée aux filles. Professeur Mike, Coach Abby, dites quelque chose. C'est une bonne idée. La maison rose nous manque. Oui, on est comme des ermites dans la maison bleue, tous dans la maison rose. Super, c'est clair. Les bunnies, on en reparlera. Mike, pourquoi tu te tues comme une statue? J'aime bien l'idée. Et toi, George? J'aime aussi cette idée. Les gars, puisqu'on va tous vivre ensemble à partir de maintenant, j'ai une idée. Nous allons remplir ces boîtes vides avec plein de cadeaux pour les animaux abandonnés du refuge, comme des couvertures chaudes ou des lits. Oui, ou encore de la nourriture. Vous pourriez aussi les remplir avec des friandises pour chiens. Oh punaise, Diana, je pensais que c'était pour nous. Relax, je vais acheter un lit et un oreiller. Puisque tout le monde reste dans la maison rose, je vais rester ici pour maintenir l'ordre. Mike, donne-moi une chambre. Tu dormiras avec moi. J'ai un grand lit de 3 places. Bien sûr, je comprends que faire des cadeaux pour les animaux abandonnés, c'est très bien. Mais qu'est-ce que les ados vont faire ici? Ça va être le bordel. Chaque ado va choisir au hasard ce qu'il va faire pendant les vacances. Cette boîte rose est remplie de bouts de papier où sont inscrits des jeux. Chacun doit en tirer un et il saura quoi faire pendant les vacances. Donne-moi cette boîte. Merci. C'est à Lialia et à moi de décider qui fera quoi pour les vacances du nouvel an. Parce que nous sommes les administratrices et nous devons toujours passer en premier. Pas de problème, Hera. À vous de tirer en premier. Quoi? Le jeu des baisers? Il est hors de question que j'embrasse qui que ce soit. Quoi? Ce sont tous des morveux. Je ne les embrasserai pas. Yana, pas même Rose? Lialia, chut. Ice, ce sont bientôt les vacances du nouvel an. Mais on va encore cuisiner, cuisiner et cuisiner, car il y aura 2 fois plus de monde. Mais il y aura aussi le jeu des baisers. Alors les gars, qui veut être le prochain à tirer son jeu? À mon tour. Allez Timur, je vais vérifier. Le jeu de la bouteille. Oui, oui, oui. Waouh Timur, on dirait que t'as eu de la chance. Je jouerai à la bouteille avec Timur. Et nous aussi, on peut tirer? Bon les filles, moi d'abord. Lorraine. Lorraine, à toi. À moi, à moi, à moi, je sens qu'on va s'amuser comme des folles. Quoi? Le détecteur de mensonges? Moi, je ne trouve pas ça marrant. Quoi? Détecteur de mensonges. Maintenant, tout le monde saura si je mens. Ça t'apprendra à nous doubler. Tu t'es cramée, Lorraine. Lorraine, je suis contente que tu aies tiré ça. J'ai plein de questions à te poser. Ok, tu peux y aller. Je n'ai rien à te cacher. Les bunnies, tous vos jeux sont très ennuyeux. Si c'était moi, il y aurait une fête tous les jours. Des sorties, des slows avec George. Je connais plein de jeux amusants. Blondie, il y a plein de jeux amusants dans cette boîte. Ne t'inquiète pas pour ça. On va aussi faire des fêtes. Prends-en un autre et tu verras. Et pendant toutes les vacances, tout le monde pourra faire la fête. Les filles, souhaitez-moi bonne chance. Je vais organiser une fête. Bonne chance, Blondie. Blondie, à ton tour. Quoi? Mon jeu, c'est décorer les toilettes avec des décos de Noël? Les bunnies, vous appelez ça un jeu? Vous n'avez aucune créativité. Mais oui, Blondie, c'est un jeu. Doublé d'une bonne action. Eh bien, si tu n'aimes pas ça, tu n'as qu'à quitter la maison de campagne et rentrer chez toi avec ta maman, ton papa, ta grand-mère ou je ne sais qui. En aucun cas, je ne partirai. Je peux tirer? Très bien, les gars. Continuez à tirer vos jeux parce que nous, on doit aller discuter avec les nouvelles filles, Taya et Cindy.
Mais pourquoi faire? Et parler de quoi? Avec nous? Vous voulez parler de quoi? On n'est pas retourné dans votre chambre. Les filles, on vous attend dans notre chambre, au deuxième étage. Dans ce cas, je viens aussi. Non, Abby, on ne t'a pas invité. On doit parler en privé avec les filles. Alors, vous allez tirer vos jeux ou quoi? Vous me prenez pour une esclave? Ice, vas-y, dépêche-toi. Mascotte? Pizza? George, s'il te plaît, si tu entends des cris provenant de la chambre des Bunny, il faut que tu viennes tout de suite, car je crois qu'il va y avoir une bagarre entre Taya, Cindy et les Bunny. Pourquoi tu dis ça? Elles voudraient peut-être être amies. Être amies? Mais elles ne seront jamais amies, Mike. Zagata, le jeu de la bouteille est trop cool. Super cool. Coach Abby, reste dans les parages, s'il te plaît. Je crois que les Bunny nous préparent un sale coup. D'accord, les filles, je serai là, en cas de besoin. Qu'est-ce qu'on va faire de ces Bunny? Tu as vu ce qu'elles ont préparé? Des jeux pour les vacances. Lialia, tu aurais préféré étudier? Oui, Yana, j'aime étudier. Et je veux étudier. Étudier, étudier et encore étudier. Mon amie, tu sais que je t'apprécie beaucoup, mais parfois tu es trop ennuyeuse. Diana, qu'est-ce que tu as en tête? Pourquoi tu fais venir Taya et Cindy ici? Je croyais qu'on les avait bannies de notre chambre à jamais. Diana, laisse-moi deviner. Tu veux qu'on soit amies avec elles? Oui, les filles. Tout à l'heure, je les ai vues faire les yeux doux à nos basketteurs. Alors, on va être amies avec elles pour découvrir ce qu'elles ont vraiment dans la tête et quelles sont leurs intentions. La fête du Nouvel An approche et elles seront tout le temps dans la Maison Rose. C'est vrai qu'elles risquent de nous piquer nos petits amis. Quoi? Elles ont aussi flirté avec Mascotte? Ouais, c'est clair. J'ai vu comment elles ont touché sa queue en fourrure avec leurs ongles. Là, c'en est trop. Elles vont voir. Assieds-toi. Quoi? Mais tu ne comprends pas? On va faire ça pour découvrir leurs intentions. Je vais garder un œil sur elles. Je ne me laisserai pas faire. Vous pensez que je suis une gentille fille? Eh bien non, les filles. Écoute, Maya, on sait que parfois, tu peux être hystérique. Oui, les Bunny, on est là, qu'est-ce que vous voulez? Dépêchez-vous, on n'a pas de temps à perdre avec vous. Et on ne se sent pas en sécurité dans votre chambre. Maya, reste assise. Écoutez, les filles, vu qu'on est destinées à vivre ensemble dans la maison de campagne, on s'est dit qu'il serait préférable d'arrêter de se disputer avec vous. En fait, on a même envie d'être vos amies. Oui, on rêve d'être amies avec vous. Et dites-moi un peu quelles sont vos intentions avec Mascotte. Maya, tais-toi, t'es en train de tout gâcher. Bien essayé. Mais ça sent la tromperie. Qu'est-ce que vous voulez, les Bunny? Soyez honnête. Écoute, Taya, tu sais, je ne l'avais pas remarqué jusqu'ici. Mais en te regardant, je réalise que tu es comme mon reflet. Alors pourquoi ne pas être amie? Écoute, c'est vrai qu'hier, j'étais en colère contre toi. Parce que j'étais choquée qu'on se ressemble autant. Sauf que tu es plus grande. Et c'est comme ça que j'ai toujours voulu être. Je trouve que Diana et Knoppa agissent comme des idiotes. Je suis d'accord, elles auraient dû s'y prendre autrement. Alors, vous en pensez quoi, les filles? On peut être amies? Et si vous passiez la nuit dans notre chambre? Oui, d'accord. On adorerait être amis avec vous. Formidable. On est très contentes. Et voilà, désormais, nous sommes amis. Mais surtout, ne touchez plus la queue de Mascotte. Il n'aime pas ça. Vous pourriez vous blesser. On prend nos pyjamas et on vous rejoint. Rien de presse. Vous aurez le temps de prendre vos pyjamas après. On a tout le temps. Discutons un peu, Taya. Racontez-nous si vous avez des petits amis et si quelqu'un vous plaît dans la maison de campagne. Ouais, il y a des garçons qui vous plaisent ici? Surtout ne nous mentez pas, parce que je peux lire la vérité dans les yeux. Maya, ça suffit. Va plutôt faire un tour et calme-toi. Eh bien, pour être honnête, il y a quelques gars qui me plaisent. Et c'est qui? Et pour toi, Cindy? Eh bien, il y a aussi quelques gars qui me plaisent dans cette maison. J'en étais sûre. Et je suis certaine que parmi eux, il y a Mascotte. Maya, tu sais où est la porte? C'est bon, je me calme. Maya, calme-toi. Les filles, vous savez, vous pouvez tout nous dire. Oui, et comme ça, on pourra vous dire si ça vaut la peine de draguer ces mecs. Parce que parmi eux, il y en a qui ne traitent pas bien les filles. Eh bien voilà, moi j'aime bien Timur et Dima le footballeur. C'est vrai qu'ils sont très différents, mais ils sont tellement cool. Et toi, Cindy? Eh bien, j'aime bien Kostia et Zakat. Ils sont très mignons et très cool. Oh, tu vois, Maya, tu peux te calmer. Tu t'es inquiétée pour rien. Ce sont Diana et Knoppa qui ont des problèmes, parce qu'elles ont des rivales. Alors les filles, qu'est-ce que vous pensez de ces garçons? Est-ce qu'on devrait se lancer? Vous savez, Dima et Kostia sont des gars vraiment très bien. Ouais, mais Timur et Zakat, ils sont vraiment burk! En plus, ils ne se brossent pas les dents, jamais! Et ils ne changent pas de chaussettes! Burk! Eh bien, si Timur sortait avec moi, je lui apprendrais à se brosser les dents. Et moi, j'achèterais des chaussettes à Zakat pour qu'il puisse en changer. Écoute, Cindy, en fait, je sors déjà avec Zakat et je lui achète plein de chaussettes, mais il ne les change jamais. Il les laisse comme des décos sur son étagère. Les filles, vous êtes tellement drôles. Écoute, Maya, toi, tu as de la chance, alors reste tranquille et profites-en. Nous, on a des problèmes à régler. Les filles, salut. Vous allez bien? À ce que je vois, personne n'est encore blessé? Oui, Abby, les Bunny sont très gentils. On est même devenus amis avec elles et on parle des garçons. Oui,
On est des filles très sages. Oh, c'est très bien, les bunnies. Continuez comme ça à être gentilles. Et je peux savoir de quel garçon vous parlez? Zakat et Kostia. Et Timur et Dima. Ces filles ont vraiment très bon goût. Ouais, c'est fou comme on se ressemble. Eh bien, franchement, c'est formidable. Les filles, vous avez déjà mangé? Non, Abby, mais on va d'abord se mettre en pyjama et rester avec les bunnies. Écoutez, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et si on allait dîner? Si vous n'êtes pas sûre de vouloir rester, on ne vous force pas. Non, on a vraiment envie de dormir avec vous. On va aller prendre nos pyjamas. Les bunnies, je savais que vous étiez des filles très gentilles. Les filles, on est foutues. Je ne vais jamais pouvoir les supporter. Les filles, qu'est-ce qu'on va faire? Elles aiment les basketteurs et les footballeurs. Si elles veulent, elles peuvent sortir avec les footballeurs, mais pas avec les basketteurs. Ça m'est égal, du moment qu'elles n'aiment pas ma Scott. Écoute, Maya, est-ce qu'on t'a déjà dit que parfois tu étais chiante? Quoi, Nastia? C'est normal que je m'inquiète pour ma relation. Écoute, Maya, c'est fini, tu n'as plus à t'inquiéter. Parce que personne ne veut te piquer ma Scott. Voilà, les filles, on a toute la soirée et la nuit pour les faire changer d'avis et faire en sorte qu'elles détestent les basketteurs. Je sais ce qu'on va faire cette nuit. Eh bien, moi, cette nuit, je vais dormir tranquille. Dieu merci, je n'ai pas de rival. Oh, mon Dieu! Mon Dieu, je me sens comme une perdante. Franchement, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter de décorer les toilettes pendant les vacances de Noël? Allez, tu vas juste décorer nos toilettes. Imagine, tu pourrais y mettre des guirlandes. Ouais, comme ça, quand on fera caca, il y aura plein de guirlandes. Et pourquoi des guirlandes? On pourrait aussi mettre des flocons de neige. Vous êtes sérieuse? Ça vous plaît? Eh bien, dans ce cas, ça sera votre jeu. Parce que moi, je vais aller en tirer un autre. Blondie, mais c'est juste pour s'amuser. Tu sais, il y aura plein d'autres choses à faire. Pourquoi tu t'énerves? On décore les toilettes et c'est tout. Mais oui, Blondie, pourquoi tu t'énerves toujours sur tout? Les garçons, entrez et asseyez-vous. Les Frogs, faites un peu de place parce que maintenant, les garçons vont vivre dans la maison rose. Salut, content de vous voir, les Frogs! Les footballeurs, mais qu'est-ce que vous fabriquez ici? Et si on était en train de se changer? Et si on était en pyjama? Vos petits amis nous auraient matés. Vous savez qu'il faut frapper avant d'entrer? Je n'ai pas de petit ami, je suis venue seule. Attendez, mais où est-ce qu'ils vont dormir alors? Dans le salon? Le salon est déjà occupé. On va pas aller dans le salon. Les filles ont dit qu'on pouvait rester dans cette chambre. On est prêts à faire la fête? Faire la fête? Faire la fête dans notre chambre? Oh non, vous n'allez pas faire la fête ici. Mais vous pourriez faire la fête dans les toilettes. Il suffit d'y accrocher des guirlandes. C'est le jeu que toi tu as tiré, de décorer les toilettes. Mais celui de Kostia est de faire la fête avec des filles jusqu'à l'aube. C'est ce qu'on va faire. Les filles, musique! Je vais chercher le karaoké. Les filles, allez chercher Georges. Non, il n'y aura pas de fête dans cette chambre. Georges est occupé. Il est dehors avec le professeur Mike à préparer les skis. Ils iront skier dans les montagnes. Très bien, les filles. Eh bien, dans ce cas, allons décorer les toilettes. Super. Les Frogs sont partis. Nancy, tu peux aller décorer les toilettes avec elles. Sinon, tu risques de t'ennuyer. Non, je vais m'amuser. Je vais vous regarder danser. Lorraine, le karaoké. Ça y est, j'ai la musique. Dima, on peut danser. Allez, Alexa, on danse slow. Je vais utiliser la brosse à cheveux des bunnies, mais ne le dites à personne. D'accord, on ne le dira rien. Les gars, pourquoi vous êtes tristes? Franchement, ce sont les vacances du nouvel an et on va bien s'amuser. Oui, Bruce et moi avons d'autres projets. Oui, tu ne veux pas t'amuser avec quelqu'un d'autre? Bruce, tu veux te débarrasser de moi? Pas question, vous allez vous amuser avec moi. Oh, les perdants, vous voilà, on vous cherchait. Ça vous dit de voter contre les vacances du nouvel an? Faites la tête, comme si vous étiez en cours. Non! Non! En fait, Yana et Lialia, ces vacances du nouvel an sont géniales! Oui, on a déjà prévu quelque chose! Les perdants, et qu'avez-vous comme projet? Des projets de perdants? Si vous faites ce qu'on vous dit, on vous rendra l'appareil. Quand les cours reprendront, on s'assurera que vous soyez respectés par tout le monde à l'école. Les rats, on ne vous croit pas. On sait bien que vous êtes des menteuses. Oui, on veut faire la fête. Le respect de ceux qui nous aiment nous suffit. C'est ça, les perdants. Vous êtes des perdants. Et le resterez pour toujours. C'est compris? Quand les vacances du nouvel an prendront enfin et que les cours reprendront, on vous rappellera votre erreur. Les perdants règnent! Ouais! Pizza Ice! Pouvez-vous nous faire quelques sandwichs pour la route? On va skier dans les montagnes! Non, parce qu'on est déjà occupé à cuisiner pour tout le monde. Des biscuits au gingembre. Oh, c'est très bien! On prendra aussi des biscuits au gingembre. Montagne, ski! On a déjà farté nos skis. C'est super. Vous savez où est le frigo? Il y a de la salade, il y a des toasts. Ice va chercher de la farine, du gingembre et du sucre en poudre. Tu vois, Georges, c'est le genre de chef qu'on a. Ils sont parfois un peu farceurs, mais ils sont très gentils. Pourquoi tu me regardes? Je fais déjà des biscuits, alors débrouille-toi pour tes toasts. Ok, quelle arrogance!
Diana, tu pourrais enlever tes écouteurs. On s'ennuie sans toi. Oh, écoutez les filles, je suis vraiment de mauvaise humeur. C'est à cause des nouvelles. Parce qu'elles ont des vues sur nos basketteurs. Mais c'est rien, on va se battre, on est fortes. Moi je me sens si bien. Maya, tu sais, on est super contentes pour toi. Les filles, profitez bien, tant qu'elles ne sont pas encore dans notre chambre. Merde, c'est vrai. J'ai pas du tout envie de dormir dans le même lit qu'elles. On ne fait pas cette soirée pyjama pour dormir avec elles. On fait ça pour les faire changer d'avis. Les filles, vraiment j'espère que tout se passera bien. Mais si jamais elles arrivaient à vous voler vos basketteurs, vous feriez quoi après? Nastia, je te remercie pour ton soutien. Tu es une amie tellement positive. Ouais, je sais, Diana. Je suis une fille toujours positive. Coucou, on est là. Et avec des sucreries. Oh, on était tellement impatientes que vous arriviez. Oh, des sucreries, c'est cool. Vous pouvez les laisser partir. Maya, calme-toi, s'il te plaît. Ok, je suis désolée d'être aussi ennuyeuse aujourd'hui. On a emmené des douceurs, au cas où on se raconterait des histoires effrayantes. On a apporté des gaufres et des biscuits. Merci, vous avez bien fait. Les filles, on ne va pas se raconter des histoires effrayantes. On va plutôt discuter à propos des basketteurs. Ouais. Elles sont tellement naïves. Heureusement pour nous qu'elles sont bêtes. Vous savez quoi, les filles? Juste avant que vous n'arriviez, on discutait avec les basketteurs. Ah oui, et alors? Eh bien, comment vous dire? On a demandé aux basketteurs s'ils aimaient les nouvelles filles, c'est-à-dire vous. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Mais les filles, surtout, ne le prenez pas personnellement. C'est normal, parfois on apprécie les gens et parfois pas. Et ils ont dit quoi sur nous? Eh bien, ils ont dit que vous étiez... des chippies. Quoi? Comment ça, des chippies? Ils sont cinglés? On vous a pourtant prévenu. On vous a dit que les basketteurs n'étaient pas des mecs bien. Et mascotte est bien pire. On vous conseille vraiment de flirter avec les footballeurs. C'est vrai qu'ils ont déjà des petites amies, mais peut-être qu'ils finiront par les quitter pour vous. Je ne sais pas. Je trouve Timur très sympathique. Et moi, Zakat? C'est parce qu'ils ne nous connaissent pas encore. Je suis sûre qu'ils nous apprécieront. Les filles, les cartons sont remplis. Hein. Vous pouvez aller au refuge et les donner aux animaux. Hein. Vous avez des invités? Oui! Écoutez, les basketteurs, les bunnies viennent de nous dire que vous nous avez traités de chippies. C'est vrai? Non! On dit jamais du mal des filles. Oui! Les basketteurs, vous êtes tellement gentils. Mais tellement stupides. Les bunnies, vous nous avez menti ou quoi? Non, ce sont les basketteurs qui mentent. Comment vous pouvez penser ça de nous? Tout est clair, les bunnies. Vous nous avez menti. Je suis choquée. Et merde. Allez, Diana, trouve-nous un plan B. C'est parce que vous êtes jalouses, les basketteurs. Il est temps pour nous d'y aller. Les bunnies, vous n'êtes plus nos amis. Les filles, c'était quoi ça? Les gars, ces deux chèvres ont le béguin pour vous. Elles essayent de vous piquer à nous. Alors on a essayé de s'en débarrasser. Et comment? En leur montant sur nous? Les filles, pourquoi vous leur avez dit qu'on les appelait les chippies? Les filles, nous, on a Dieu que pour vous. Ouais. Avec un petit peu plus d'effort, on y était presque, elles auraient pu nous croire. Bon, ça a été une dure journée. Les gars, les cadeaux pour les animaux sont prêts? Oui, tout est là. Tout est là. Pour aujourd'hui, il y aura au moins une bonne nouvelle. Les filles, et si on mangeait ce qu'elles ont apporté? Puisqu'elles sont parties, est-ce qu'on pourrait pouvoir rester avec vous? Est-ce que ça vous dérangerait? Bien sûr que non. Asseyez-vous, les gars. Les filles, on dirait bien que ces vacances de fin d'année vont être très amusantes, mais aussi inquiétantes. Les gars, eh bien, passez ces vacances du nouvel an avec nous. Les gars, likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. On vous dit à bientôt et... Au revoir!